your latest collection which is the result of the collaboration with Aubusson, the Museum of Aubusson Tapestry, because we are inviting you in October with the Design Museum around the PAD fair in London. So we want to leave this as a surprise for everybody to discover. So you will briefly introduce that project after. So I would let you proceed to present your different collections and your approach. Je me prête à ce jeu, donc je suis ravie de vous rencontrer à travers Zoom et ravie de vous présenter donc Emer et Malta. Donc, comme vous l'a expliqué Anne-Pierre, Emer et Malta est un peu en dessous des radars commerciaux parce que l'on ne fait aucune foire. On se permet une lenteur inouïe puisqu'il y a beaucoup de recherches dans les projets d'Emer et Malta. Parce que non seulement on remet au bout du jour les savoir-faire, mais on est aussi techniquement, on relève les défis de techniquement les remettre aussi dans les possibilités d'aujourd'hui. Et donc, ce sont des créations qui demandent énormément de temps. Et en fait, je crois que je suis partie de ce... J'ai pas réfléchi à la manière dont j'allais créer Emer et Malta. C'est tout simplement que j'ai quelques années derrière moi où j'ai longuement produit dans le domaine de l'audiovisuel. Et en fait, je partais toujours de mon idée. Et après, je crée les équipes pour réaliser cette idée. Et en fait, quand je me suis lancée dans Emer et Malta après 20 ans de production, j'ai créé Emer et Malta sous ce même schéma parce que j'aimais justement être entre la création, la réalisation et la production. Et donc, c'est comme ça que j'ai créé Emer et Malta sans savoir que c'était une manière particulière de faire les choses. Et c'est effectivement, les musées se sont intéressés près à cette manière de travailler parce qu'elle était nouvelle, où elle rappelait effectivement des studios comme celui d'Hélène Grec ou Sue et Mar dans cette manière d'approcher les arts décoratifs. De manière très, très étroite avec les designers, c'est que tu leur suggères, c'est toi qui leur as suggéré ces idées de... Alors, oui, en fait, c'est vraiment... Ou de lampe ou... Soit je leur suggère, soit c'est vraiment un dialogue discontinu et ça m'arrive souvent de suggérer, mais de temps en temps, ça vient d'ailleurs ou alors c'est parce que, et là, je le raconterai plus dans la collection Morning Mist, il y a des dessins qui me font rêver, qui me font penser à des choses et en fait, c'est vraiment une danse, c'est des allers-retours. Et c'est pour ça que la période de dessin dure très longtemps. Elle doit durer, sur la dernière collection Aubusson, par exemple, je dirais que le dessin durait 2 ans, celle que je vous présenterai en octobre, parce qu'il fallait qu'il faut que la collection soit cohérente. Ce n'est pas parce que je fais travailler plusieurs designers sur une seule et même collection que les choses doivent être différentes, tout doit être homogène et en gardant le style aussi de chacun. Et après, j'apprends énormément des artisans, les regardant travailler et il arrive que l'on remodifie le dessin après cette consultation avec les artisans. Donc ça, c'est un petit paysage japonais dans lequel on pose de la mousse. C'était la toute première collection, donc j'étais plutôt dans des petites pièces parce que sans doute j'avais un peu peur de m'aventurer dans des plus grosses pièces et c'est vraiment dans la toute dernière collection. Donc là, c'est une petite bibliothèque et que l'on fait aussi en plusieurs dimensions, où le LED est derrière, et voilà, ça peut servir, voilà, c'est deux bibliothèques qui existent en grand, en moyen. Là, on y a mis des fleurs, mais normalement, c'est quelque chose pour ranger son papier à lettres, ses photos, ses cartes de visite. Et à nouveau, c'est un paysage, moi j'attends vraiment que le dessin me fasse rêver. Et si la réalisation n'est pas celle que je souhaite, on dit, on recommence jusqu'à ce que ce soit très bien fait. Et Anne-Pierre me dit, mais tu sais que mon père a dirigé la manufacture de Sèvres pendant longtemps. Moi, évidemment, je n'étais pas au courant de son père, je ne demande pas à mes copines ce que font leurs pères. Et donc là, grâce à Anne-Pierre, j'ai trouvé le bon artisan qui m'a amené, mais ça a été à nouveau une recherche... Ça m'a pris la tête pendant 6 mois de réaliser cette pièce, d'arriver à la créer. Donc là, ce sont des lampes
qui sont voilà, très végétales, parce qu'en fait, cette collection s'appelle Morning Mist, et avec Benjamin, on est tous les deux très inspirés par la nature, donc notre dialogue est hyper facile. Et cette pièce a été hyper compliquée à réaliser, parce qu'il y a trois techniques de verre. Donc en fait, il y a trois ateliers de verre différents. Et le temps qu'on trouve, que le poids, parce qu'évidemment, le verre soufflé est beaucoup plus lourd que toute la structure qui est en fait du verre borosilicate, qui est vraiment du verre pour la médecine, en fait, pour faire les éprouvettes, etc., etc. Donc un verre très léger. Et quand on mettait la pièce qui était lourde, boum, ça pétait. J'en ai pété une et j'en ai pété trois. Et le jour où on la présentait, elle était chez moi, il y a une voiture ou un camion qui passe qui fait que le sol de la maison vibre un peu plus que d'habitude. Et devant tout le monde, boum, elle se casse. Donc en fait, il y a à nouveau, quand on regarde cette pièce-là, aussi un temps de recherche phénoménal. D'abord pour trouver les bons artisans, capables de que les tiges tombent pire. Puis après, les rapports de poids. Et tout ça, ça se fait... au fur et à mesure, en fait, il ne faut jamais lâcher et jusqu'à ce que les choses arrivent. Et là, je ne sais pas si vous voyez, mais les verres sont facettés, soufflés, puis après facettés. La petite pièce qui relie le verre, le globe au fil électrique, en fait, bah, il fallait trouver quelque chose qui soit sur mesure exact, parce qu'évidemment, le verre n'est jamais soufflé de la même manière. Donc, en fait, c'est des petites impressions 3D que l'on fait pour que ce soit un embout qui fasse qu'à chaque fois, ça coule bien. Donc ensuite, vous avez le Fallen Tree qui a été sans doute notre pièce phare. Benjamin avait dessiné une branche toujours quand il était à la villa Kushiyama. Et je regarde cette branche tellement délicatement dessinée, mais je me dis, mais Benjamin, on devrait en faire un banc. Et là, voilà, l'idée part du banc. Et puis, je lui parle de déséquilibre. Et puis là, on fait du verre transparent. Et puis, j'avais pas envie que ce soit du plexiglas. Et à l'époque, ça s'appelle du verre borosilicate. En fait, c'est du verre qui, à l'époque, ne se trouvait pas, parce que c'est un verre qui est complètement transparent. Et dans des épaisseurs comme ça, il y a 8 ans ou 10 ans, le verre est encore, en fait, la couleur a légèrement verte. Donc, il a fallu faire à nouveau une grosse recherche. On allait dans la forêt, chercher les branches dans la forêt, ramener les branches chez le menuisier, qui est plus un sculpteur menuisier. Mais enfin voilà, on a plusieurs menuisiers comme on a plusieurs métalliers, parce que chacun n'a pas les mêmes qualités en fait de travail. Et en fait, ce sont la nature sauvage. Enfin, donc c'est plutôt le contraire, c'est tout ce qui est hyper technique, le pied, l'industrialisation du bois et la nature qui reprend ses droits.